Eh bien, salut tout le monde, c'est Marcus du Club Bull. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 16 de ce Let's Play. Ça fait plusieurs épisodes que je me trompe de numéro, j'en suis sincèrement désolé, mais bon, voilà, je peux pas faire gaffe à tout, voilà, c'est tout. Bon, alors de toute façon, aujourd'hui, nous allons continuer l'aventure, les amis. Nous sommes à l'épisode 16 et je vous réserve une petite surprise à la fin de cet épisode, puisque 16, c'est 4 fois le let's play que j'étais en train de faire, que j'avais fait sur Rayman. Donc c'est 4 épisodes que j'avais fait, là j'en suis déjà à 16. 16, c'est aussi le 4 fois, comme c'est 4 fois 4, bah c'est aussi le numéro 4. Le numéro 4, qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, c'est le nombre de triangles qu'il y a dans la Triforce, si on compte le triangle du milieu. Oui, je sais, j'invente des trucs, mais bon, faut bien que ça se fête, 16 épisodes quand même. En même temps, je voulais faire ça pour la surprise pour un épisode spécial, mais c'est limité. Voilà, je pourrais pas le faire plus tard parce que les choses sont pas à moi et je dois les rendre. La surprise n'est pas à moi et je dois les rendre. Donc du coup, on verra. On va le faire à la fin de cet épisode. Voilà, j'ai trouvé des trucs pour fêter. Donc là, je regarde ça parce que c'est nouveau. Le champignon, ce champignon d'une grande valeur et à la forte odeur se développe sous terre. Les préparations qui en contiennent rendent plus que le nombre maximum de cœurs. Ah bah c'est sympathique ça, à savoir, tiens. Quoi? C'est quoi ça, ce lampadaire? Alors déjà, il y a un ennemi là-bas. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est chelou. On va prendre les herbes d'Hyrule. Je parie qu'on va arriver chez les Zora. Je sais pas, mon instinct me dit Zora. Vaut mieux ne pas les déranger. Ce sont des lampadaires, c'est tout. Oh, et les gars, c'est joli. Par contre, pour traverser après, ça peut se faire. Ça peut se faire, les gars, regardez. Il suffit juste d'un petit peu d'adresse et c'est parti. Parce que eux, on va clairement pas les affronter, on n'est pas de taille. Mais réellement pas. J'espère qu'on va arriver chez les Zora, ça va être cool. Ça va être cool, déjà vous aurez deux surprises en un. On arrivera chez Zora. Et en plus, vous aurez la surprise de la fin du jeu que je vous réserve. Devinez ce que c'est dans le sondage. Attendez. Sondage. Allez. Je vais vous faire un sondage. Je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez être la surprise, justement. Il y a la réponse dans l'un d'eux. Je vais vous demander quelle surprise vous pensez que c'est. Voilà, tout simplement. Attention, lui. Il attaque vite. Hein. Oh, ah oui, d'accord. Oh, je l'ai eu. J'ai une arme. Oh, c'est quoi ça? Change d'arme. Oh, mais quel idiot. Viens, viens, je vais t'attaquer. Ouais, mais je veux absolument l'attaquer, lui. Tiens, allez, on y va, voilà, c'est bon. On n'avait pas besoin de faire des tactiques ni rien. C'est parti, il donne quoi? Corne de l'Esalphos, merci beaucoup. En dessous, il y a bien un petit Korogu, non, il y a un petit rubis. C'est sympathique. Là, ici, Korogu, non, ça, c'est ce que je viens de lancer, il n'y a rien en dessous. Bon. Eh bien, écoutez, normalement, si on regarde la carte, ce serait par là-bas. Sauf que par là-bas, c'est pas très très possible comme on peut le voir. Et franchement, et là on change d'ambiance, les gars. Vous le voyez. Bon, j'ai loupé le truc, tant pis. Non, 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 voilà. Merci. Non, mais. Ah, je loupe les libellules. Mais. Ah! Tant pis. J'en ai loupé 3. C'est pas grave. Ça vous dit qu'on attende juste jusqu'au matin pour pas qu'il se... Parce que là, il pleut un petit peu et j'aime pas. Je préfère quand il fait beau. Voilà. Je sais pas si vous préférez quand il pleut, mais après, chacun ses goûts. Comme ça, on peut mieux admirer le paysage. Et
À mon avis, bon, il fait pas beau, mais bon. À mon avis, c'est bel et bien chez les auras que nous sommes. On va casser un petit peu ça. Voilà, on récupère des flèches en bois. C'est cool. Bon, là en dessous, il y a une grenouille. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ça? Parce que ça. Voilà, vas-y. D'accord. Oh, et puis flemme. Allez, c'est parti, on s'en va. On a foutu le feu, c'est pas grave. On va passer par ce chemin-là, parce que ça a l'air d'être le bon chemin. Alors, pourquoi y a-t-il une pierre toute seule ici? Oula, c'est chelou tout ça. Bon, là, en dessous, il y a une grenouille. On va l'envoyer vers là-bas pour voir. Hop, 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 attends. On va aller plus vite, voilà. Wow. D'accord, très bien. Bah ok, vous me balancez des pierres. Je le prends mal, vous savez. On va continuer, je pense que c'est par là le chemin. Flemme de regarder un petit peu partout. Il y a sûrement des sanctuaires à faire. Il n'y a pas d'herbe, j'ai cru qu'il y avait des trucs à prendre. Il y a sûrement des sanctuaires à faire, mais bon, pour l'instant, hein. Voilà. Ah! Très bien. Voilà, on n'en veut pas de ça. Oh, 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 oh. Est-ce que je peux pas le soulever? Ok, bah je vais passer à côté, tant pis. Non mais, monte. Voilà, parfait Link. Alors on arrive où? Y'a... Coucou. C'est pas cette arme là que je vais prendre. Je vais prendre celle là. Lance Zora. Yes, on est chez les Zora les gars. C'est sûr, à 100% on est chez les Zora. Là c'est pas possible qu'on soit autre part. J'ai pas lu. Je vais voir ce que c'est. Les auras se servent souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des envahisseurs. Elle est plus légère qu'il n'y paraît. Elle est jolie, en tout cas. On récupère un petit peu tout. La hache, c'est bon, on n'en a pas besoin. Là-dedans, voilà. Griffe de les alphos, c'est très bien. Là, ici, j'ai découvert que... Ça se casse, comme ceci. Voilà. Ensuite, bon voilà, on va continuer. C'est quand qu'on arrive au domaine des auras, là? Je veux le voir. I wanna see it. Alors, j'ai plus ma hache, mais j'ai ça. Oh, et puis flemme, je vais pas les casser. Aïe. Oh l'enculé. Vas-y, faut que je mange. Là, pour une fois, j'ai mangé un des plats que j'avais fait, hein, n'importe lequel, celui-là. Allez, go. Voilà, parfait. Oh. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est qui tous ces gens? Vous calmez. Je vais pas pouvoir les gérer. Oh non non, mais je peux pas les gérer, c'est impossible. Ah. Je vais lâcher la fourche. C'est bon. C'est lui avec ses... Oh! Oh merci la fée. Merci la fée que j'avais récupéré la dernière fois, vous vous souvenez, je sais plus. Où est ma fourche? Ça, c'est dommage. Boomerang les ailes, cool, je récupère des trucs. Ah, faut que je mange. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Où est la nourriture? Allez, on va manger des champignons, c'est pas grave. Ah, il est ultra chaud. Les pommes,
Go, j'ai encore plein de plats de toute façon. Mais où est mon arme? Mais bordel. Mon épée, elle est là-bas. Mon bouclier, je lâche pas. Prends ça. Merci, je récupère tout. Ah, il l'a tué. Vite, faut que je mange. Que je me le fasse, l'autre. Je l'ai géré, mais avec beaucoup de nourriture. Ah, mais bordel. Ultra chaud. Là, c'est mort, j'ai devoir. Je dois utiliser les grands moyens et manger beaucoup. Ah, ultra chaud. Boomerang les ailes robustes, merci beaucoup. Ah, bordel. Oh, les gars. Comment je fais? Est-ce que je peux tout simplement pas les éviter? Bon, là, j'ai géré à peu près, enfin, comme je pensais savoir le faire. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, mais là... Oh, c'est chaud. Le niveau est élevé, en tout cas. Pause, 2 secondes. J'éteins l'appareil photo, hein, parce que là, il sert plus à rien. Attention. Voilà, c'est bon, je reviens. Alors, 2 secondes. Je me tire, d'abord, hein, premièrement. Je voudrais vous contourner. Par là. Non, mais glisse pas. Non. Tiens, toi tu as dégagé. C'est bon, ça dégage. Donne-moi ton boomerang. Et on les évite, on les esquive, les gars. Alors, le compartiment des armes est plein. J'ai quoi comme arme, moi? Ah, c'est pas par là, c'est là. J'ai la lance d'aura, j'ai la serpe. Ça, on va le jeter. Parce que nous n'en avons point besoin. Jeter ça. C'est bon, on en a un petit peu partout. Je voudrais le boomerang, s'il vous plaît. Je voudrais tester le boomerang au bout d'un moment. Ah, d'accord, très bien. Je ne l'avais pas vu, c'est génial. On va essayer de les éviter, eux. Oh, putain. J'ai pas les flèches en feu. J'ai les flèches de glace. On va en profiter. Allez, on se tire. Par là-bas. Non, mais pas avec cette arme-là, du con. Ça. Ah, mais l'autre est toujours emprisonné. Hein. Arc les ailes. Ah, mais il est joli, son arc. Je me tire. Toi, dégage aussi. Il y a plein de les ailes fausses. Ils sont assez chauds à battre. Tu me donnes des trucs. Pardonne-moi. Est-ce qu'on y arrive? Oula, on est encore un petit peu loin, les gars. Nous sommes déjà à presque un peu moins de la moitié de la vidéo. Ouais, ici nous sommes totalement dans le domaine des auras. Regardez ce pont. Vous pensez que c'est par là qu'il faut passer? Là, ça a l'air d'être assez risqué quand même. On va passer par les ponts. Je pense que c'est par les ponts qu'il faut passer. Ils sont là-bas. Bon, c'est quand qu'il commence à faire beau, là? Parce qu'il pleut depuis tout à l'heure, là. Bon, il y a eu un petit peu d'action, quand même. J'ai pas trop parlé, parce que... Les billes, je l'ai pas eu. Non, 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 vas-y. Lui, on va le laisser. J'ai pas gaspillé une flèche pour ça. Gros goût. Grenouille. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va passer le pont, du coup. Grand pont de la Ruto. Ok. Ça a l'air
plutôt joli là-bas, hein, je dis pas. Mais franchement, ça a l'air d'être cool. On va aller, faut y aller au village d'Ora. Faut le visiter au moins. Notre objectif, c'est d'aller au village d'Ora là, dans cet épisode. Alors, ensuite, on va passer par où? Alors là-bas, il y a une entrée, mais est-ce que c'est par là-bas, réellement? Là, je vais pas m'aventurer à escalader parce qu'il pleut et ça va être galère. Donc, on va faire le tour. Ok, on va récupérer 2-3 champignons, champignons silencieux. Aujourd'hui, on fait pas mal de principales, hein, vous l'avez remarqué. Ça, vous voyez, les champignons, ça va nous aider dans certains cas, comme on vient d'avoir. Mais en fait, les flèches de glace, ça les emprisonne, les ennemis, jusqu'à ce que quelqu'un les frappe. C'est quoi ça? Radimax, ok, très bien. C'est un radis. Ok, donc c'est bel et bien par là. Est-ce qu'on peut avoir une venaison de qualité? Je l'ai eu. Voilà. Venaison fine. Cette viande est de meilleure qualité et fraîche et... Cette viande de meilleure qualité est fraîche et assez rare. Et les préparations qui en contiennent restaurent plus de cœur. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Donc on a un petit peu de venaison. On va continuer par là-bas. Et il me tarde de voir ce village Zora. Alors... Là, ici, on n'a rien du tout à part peut-être des ennemis. On a des ennemis, là. Je suis sûr qu'il y a un camp ennemi. Là, tout ça, là, c'est pas là pour rien. What? Quel est cet ennemi? Viens. On ne t'aura pas vu. Ah bah si. Tiens. Quoi? Il est pas mort, merde. Tiens, ça dégage. Il y a des voix un petit peu chelou. Baguette électrique, des éclairs des collines d'Hyrule auraient été emprisonnés dans l'orbe de cette baguette magique qui lance des charges d'électricité. Elle n'est pas adaptée au combat rapproché. Fais voir ça. Fais voir ça. Oh, oh, ils sont sérieux? Wow. Ah, par contre, ouais. Ah d'accord, elle se recharge, parfait. Je comprends mieux. On va casser un petit peu tout ça. Il y a quoi là-dedans? Rubis, perche grillée. Dans les deux trucs, il y a quoi là? Je récupère un peu tout. Perche grillée, rubis. Hop là, pom pom. Ça se casse. Ça particulièrement, c'est ça que je voulais que ça se casse. Bon après... Perche grillée. Bon, j'ai pas besoin d'autre chose en vrai. Je sais pas pourquoi je continue, mais... Là, ici, c'est quoi, ça? Fourche les ales. 18! Je garde. Là, ici... non, pas de Korogu. Épée de voyage. Bouclier en bois, cool. Bon, on récupère pas mal de choses. J'ai oublié un truc. Épée de voyageur, on en a pas besoin. On en a déjà. Donc, on voit un petit peu des sortes de... De trucs là, ici. Je sais pas trop ce que c'est. Examiner. Histoire des auras attendre. Histoire des auras. Adanda. Adanda, d'accord. Le roi d'Orefa chasse un intrus. Cette histoire se déroula 100 ans après le couronnement du roi d'Orefa. Après avoir franchi le plateau Zoran, un gardien égaré s'introduit dans le domaine Zora. Il saccageait tout sur son passage. Et même les lances des gardes ne pouvaient rien contre lui. C'est alors que roi d'Orefa, ignorant le danger, l'attaqua de front. De ses forces herculiennes, il souleva le gardien et le jeta au fond de la vallée. Le gardien se brisa sous le choc et finit par s'immobiliser peu de temps après. Les auras louèrent le courage de leur roi et lui vouèrent une confiance et un respect encore plus grand. La cicatrice que le roi d'Orefa porte sur le front date de cet événement. Intéressant, ça nous servira peut-être plus tard, mais pour l'instant ça nous sert pas du tout. Même si c'était intéressant d'ailleurs. On va continuer par là-bas, je suppose que ça fait le tour. Allez, poussez-vous.
Poussez-vous, test PC, attention. Ah va, ça va, ça va, ça va. Alors on se rapproche dangereusement quand même du village Zora. Il n'est pas loin. Ça c'est quoi ça? C'est un truc qui fume. Regardez. Là, en bas, c'est très clairement le village Zora. Alors cette chose qui fume, est-ce qu'on peut aller voir vite fait? Ou est-ce que ça nous est interdit? C'est très chelou en tout cas, je sais pas ce que c'est mais... c'est plutôt chelou. Bon moi j'ai une baguette magique, c'est pas grave. Allez, bon on verra ça pour plus tard. On se notera dans un coin de notre tête. Et nous, on va aller là-bas. On va passer par le pont qui est en bas. En skippant les ennemis parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ok, il y avait une descente ici. Très bien. Je n'ai point respecté l'ordre des choses. Mais c'est pas grave. Alors d'abord... alors là, il y a un truc à lire, sûrement encore une histoire du Zora. Il n'y a jamais de Korogu, quoi. Opal brut. Il y avait une histoire que j'ai pas imaginé, que j'ai pas regardé quand même. Histoire des Zora, chapitre 6. 7, comment? Par Dorefa. Comment le héros vainquit les... je sais pas quoi. Par Dorefa. Le peuple. C'est un petit peu rayé, hein. Seul survit à la chasse aussi par le casque Zora qu'il porte. Ouais, c'est un petit peu cassé. Une texte est effacée par endroit, ouais, effectivement. Je viens de remarquer. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais faire un petit feu de camp. Comme en espérant que... alors, est-ce que déjà j'ai de quoi faire un feu de camp? Où est le... alors déjà j'ai le bois mais j'ai pas de... si j'ai un silex. Voilà. On va poser ça là. On va prendre une arme métallique, n'importe laquelle. Celle-là, une rapide. On va se faire un petit peu de camp. Je perds des cœurs, bêtement. C'est bon. J'ai perdu trop de cœurs. Bon, c'est pas grave. On va attendre jusqu'au matin en espérant qu'il fasse cette fois-ci jour. Pas comme les autres fois. Tant pis. Écoutez, ben on l'aura sous la pluie, le village Zora. Ben, je pourrais pas faire autrement. J'ai rien d'autre pour allumer le feu. J'ai plus de flèches de feu, si vous regardez bien. Voilà, j'ai que des flèches normales. On va les garder, les flèches normales, on va pas utiliser les flèches... on va économiser les autres. Les gars. Ça a l'air super joli. Mais malheureusement, il pleut. Est-ce que c'est dans le script ou ça se passe comment? Il va pleuvoir... en plus, il va pleuvoir pendant longtemps. Hein. J'espère qu'au bout d'un moment, il fera beau. On pourra aller le voir, le village Zora. Parce que là, bon, c'est joli. Il y a un sanctuaire à proximité, mais c'est cool. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je regarde, en fait. Donc, si tu veux, on va le désactiver, hein, si ça vous dérange pas. Pour l'instant, on est là pour visiter, les gars. On est là pour visiter. Je prends un petit peu tout, ce qu'il y a là. Hache de bûcheron. Oh, j'en pige, j'en ai déjà une. Non, grenouille, j'ai cru que c'était un korogu. À chaque fois, je soulève les pierres, il y a toujours des korogu en dessous. Les gars, c'est super joli. C'est super joli. Oh putain. Waouh. Ah ouais non mais là ils ont mis le paquet là. On écoute la musique. Je vais écouter la musique. Domaine Zora. J'écoute un petit peu la musique, là je suis désolé mais... je monte même un petit peu le son de mon côté, tiens. Allez.
Ah, franchement, là, on est dans Zelda ou pas, là? Ah, putain, le gros poisson qu'il y a au-dessus, là, les espèces de petits chemins d'eau, je sais pas trop ce que c'est. C'est de l'eau. Mais tout est bien foutu. C'est joli, les gars. Il y a un sanctuaire là-bas, on le voit. Franchement, ça, c'est joli. C'est super joli. Je kiffe. Je kiffe, les gars, toi. Un Ilien. Je vous vois pour la première fois, voyageur. Mon nom est Remuse. Je suis une fille. Ça vous pose un problème? Quel âge as-tu? Tous les Iliens sont-ils aussi impatients? Disons simplement que j'ai moins de 100 ans. C'est pour ça que je ne vous bassine pas avec vos nageoires. C'est franchement ringard comme salutation. Quoi qu'il en soit, le domaine Zora est à la recherche d'un guerrier Ilien. Si ça vous intéresse, adressez-vous directement au roi d'Orefa. Ah ben tiens. Justement, ce qu'on avait lu, il n'y a pas un rapport? Et les Zora, cool les Zora. Salut Zora. Les Zora, c'est presque mon peuple. C'est mon peuple préféré, on va dire. Bah, depuis Ocarina of Time, en fait, c'est mon peuple préféré. Avec maintenant, peut-être les Piaf, on sait pas, on va voir. Ah, mais. Maître Link? Pardon? Aucun doute, c'est bien vous, Maître Link, le prodige des Iliens. C'est moi, Birotan. Vous m'avez appris à nager quand j'étais gamin, vous ne vous en souvenez pas? Bah, de toute façon, ça me dit rien. C'est vrai que ça fait près de 100 ans, je n'avais que 30 ans à l'époque. D'ailleurs, après tout ce temps, je dois vous dire que vous êtes superbement bien conservé pour un Ilien. Ah. C'est drôle ça. Père, vous êtes en service. C'est vrai, pardonne-moi. Oh, ils sont père et fille, c'est mignon. Vous ne vous souvenez peut-être pas de Sébas... vous vous souvenez peut-être de Sébas, le chef de la bande. Ou de cette tête brûlée d'Octavier. Ou encore de mon père Mordan, il a bien vieilli, mais il est toujours vaillant. Oh, j'y pense. Vous devriez éviter de parler aux anciens, Maître Link. Mais je ne veux pas vous retenir. Vous devez sûrement être attendu dans la salle du trône, non? C'est probable, c'est probable. Oh, bordel, je suis dans la hype. Ça y est, je suis hype. My name is Hype. I'm hype, you're hype, I'm hype, yeah. Voilà, je pouvais pas, je suis dans la hype. Toi, t'es qui, toi? Je veux parler à tout ce putain de monde. Toi, bienvenue, je veux te parler. Bonjour, Orestresh. Ouais, je l'ai bien prononcé, je suis content. Bonjour, bienvenue au marché batelier. Le bazar Zora, le récif de corail est juste là. L'atelier du chevalier Lancier est au fond. Tu avais besoin de moi? Bah on va lui poser des petites questions, hein, Orestresh, c'est ça. Le marché batelier? Oui. Bazar, atelier, batelier. J'ai trouvé ça toute seule. D'accord, très bien, c'est un batelier. Marché batelier, un bazar et un atelier. Très bien, attendez, il y a peut-être des petits sauts de micro, c'est bon. Je vais régler un petit peu mon micro. Marché batelier, bon prix à tous les râteliers. Ouais! Je ne me laisserai jamais de cette chanson. Bah écoute, c'est cool. Attention, peut-être tipette de micro. Voilà, j'avais problème avec les élastiques autour. Ça fait vraiment tip. Parle-moi du bazar. Le bazar existe depuis plusieurs siècles, c'est un endroit chargé d'histoire. C'est Cléfa qui fait tourner la boutique et il prend son travail très à cœur. Quant à sa petite cercle et sol. Oh, Cléfa, Cléfa. Oh, c'est mignon. Clé de fa, clé de sol. Oh. C'est plutôt pour le prince Sidon que son cœur s'emballe. Sidon, je crois que je reconnais ce prénom. Je suis pas sûr. Tu voulais savoir autre chose? Ben, parle-moi de l'atelier. Le vieux Zora qui s'occupe de l'atelier est mon grand-père Nelto. Il paraît que c'est lui qui a fabriqué la lance de Mifa. La lance d'écailles radieuses. Tu voudrais savoir autre chose? Non, au revoir, c'est bon. À la prochaine fois. Y a pas de problème. Oh les gars, il y a un Goron. Goron. Oh Goron. C'est quoi ça? Soulever. Non. Je m'en fous. Je veux le Goron. Goron. Hey. Non, pas toi. Je veux voir Goron. Hein? Il est moche lui. L'Ilien qui a volé notre bien-aimée princesse Mipha s'avance avec tant de nonchalance. Toutes ces années auraient dû dessécher ses nageoires. Que vient-il faire ici après tout ce temps? Quel est cet endroit? L'atelier. Que fabriques-tu? Des lances. Des lances? La lance d'écailles radieuses et la lance de cérémonie. Je t'ai suffisamment entendu. Tu n'as rien à faire ici si tu ne possèdes pas la lance d'écailles radieuses. Maintenant, va-t'en.
D'accord. Mais moi, au départ, je vais parler au Goron. Goron. Oh. Salut. Putain, les Gorons, ils sont tout lisses, c'est marrant. Ah, putain, ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Ah, ça, franchement. Là, oui. Là, oui. Là, je dis oui. Ah. Très clairement. Ah, un Ilien. On n'en voit pas souvent par ici. J'étais en voyage et alors que je passais pas loin d'ici, le prince Sidon m'a invité à venir ici. Je peux toucher les flèches électriques, mais le prince Sidon a dit qu'il voulait quand même pas me porter sur son dos. D'accord. Je suis trop lourd, soi-disant. Je suis le seul à pas trouver ça très gentil. Bah, en même temps, mon petit Goron, c'est que t'es un Goron. Hein, c'est, on t'en veut pas, mais bon, ta race fait que... voilà, quoi. Coucou, je veux parler à tout le monde, je vous dis. Tout le monde. Bienvenue au Restif de Cora et le Bazar Zora. Je me permets de te conseiller nos violettes tempo. Prends-les en infusion et tu pourras courir plus vite. Je vends également des flèches pour les voyageurs. Si un article t'intéresse, tu n'as qu'à me le montrer, à moins que tu aies quelque chose à me vendre. J'ai peut-être des trucs à te vendre, tiens, d'ailleurs. Achète-moi un truc. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je le chouchou, je te vends tout. Non, pas tout, j'en gardais quelques-unes. Je vais en garder... 4, voilà. Pour 100 rubis, parfait. Compris, alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais te vendre? Des trucs que j'ai vraiment pas besoin. Ça, ressort antique, vas-y, oui, je te le passe. Y'a pas de problème. Les vis. Je me fais un petit peu de rubis, comme ça, voilà. Je vends tout. Allez, go. Nous sommes déjà 32 minutes d'épisode, je m'en fous. On est chez les Zora, les gars. On est chez les Zora. Ah, putain, là, cet épisode va durer longtemps, je vous assure. Peut-être 40 minutes, allez. Je vends tout ça, vas-y. Je prends du plaisir en ce moment, tu le vois pas. J'adore ce jeu. Donc, que sois-tu me vendre. J'adore vendre des trucs, c'est ce bouton-là. Alors là, j'ai vraiment beaucoup de trucs. Les opales, les trucs, je vends tout. Tiens, cadeau. 22, 66 rubis, allez, go. Hop là, ça dégage. Je vends tout. 192 rubis. Allez, go. T'as masse de rubis quand même. Hein. Alors ça, les escargots et les faciles rubis. 60 rubis, j'en ai 2. Ça fait 80 rubis. 120, pardon. Je sais pas compter, je suis trop perturbé. Les fées, il en donne de rubis, c'est nul. Hop là, ça, j'en ai 9. Je vends tout. Je me fais plus de 1000 rubis. Vas-y, go. Allez, je m'en fiche totalement. Ça, c'est... Ça, combien? C'est 6 rubis, c'est nul. J'écoute un petit peu la musique. C'est aussi une musique de Ocarina of Time, ça, je suis sûr. Non, ouais, ça doit être Ocarina of Time. Ou alors Majora's Mask. Ouais, ça doit être Majora's Mask derrière. C'est un remix de Majora's Mask. C'est bon, allez, je me tire. Non, c'est bon. Lol, ça va les affaires. Je veux lui dire, ça va les affaires. Ça va les affaires plutôt pas mal. Enfin, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire. Pour tout avouer, ce n'est pas brillant en ce moment. Nos marchandises sont destinées aux voyageurs, mais les visiteurs se font rares ces derniers temps. Si ça continue comme ça, je vais devoir imiter le vendeur d'armure et mettre la clé sous la porte. Il te fallait autre chose? Non, c'est bon, vas-y, allez. Je vais voir un petit peu tout le monde. Violette Tempo. Ah, ça c'est à acheter, d'accord. Non, j'en veux pas. Merci. Ok, donc là il y a un sanctuaire à faire. On le fera, bien sûr. Bienvenue. Ouais, bah attends. Évaluons les dégâts. La statue. Coucou. Bonjour. Es-tu un Ilien? Moi? Non. Tu n'es pas très bon menteur. Ouais, je sais. Je sais, Mabel, je sais. Pardon, j'aurais dû commencer par me présenter. Je suis Mabel, la secrétaire particulière de la famille royale. Est-ce que la statue de la princesse Mipha qui t'intrigue? En effet, ouais, c'est vrai. Elle est jolie. C'est sans doute présomptueux de ma part, mais je vais tâcher de t'expliquer l'importance qu'elle revêt pour nous. Elle représente le dernier prodige Zora, la princesse Mipha. Sa beauté n'avait d'égal que sa douceur. On dit qu'elle soigne elle-même les blessures des guerriers du domaine. Les soldats de jadis sont maintenant des vieillards à qui le poids des années fait courber les chines. Mais malgré le temps qui passe, tous chérissent encore le souvenir de la princesse.
Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'un d'entre eux. D'accord, bah merci. Oh, un mini Zora. Elle est mignon. Ouais, hey, monsieur Pemto, t'as une drôle de tête, toi. Je suis un Ilien. Ilien? Connais pas. Ça vient de loin, les Iliens. T'aurais pas vu ma maman en venant? Elle s'appelle Majorie. Non, j'aurais pas vu. Depuis que le monstre de l'eau est devenu méchant, maman n'est plus rentrée à la maison. Mais je sais qu'elle va finir par rentrer. Ok, très bien, bah... Écoute, je fais le tour. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de réellement faire le tour, hein. Bon, alors vous savez quoi, mon PC est déchargé, je vais faire une petite pause parce que justement, je vais le mettre... Je cherchais le chargeur, les gars. Parce que sinon, ça va pas le faire. Allez, sur ce, on fait une petite pause et je vous retrouve juste après, à 36 minutes. Ouais, ouais, je suis chaud. Allez. Voilà, bon, c'était une mini-pause, mais bon, c'était une mini-pause bien méritée. Et puis, là, franchement, je crois que je vais adorer ce lieu. Ça y est, je suis fan de ce lieu. Ils font quoi? Ils jouent à Trap-Trap. Bon, et c'est génial. Bon, malgré les baisses de framerate, on leur pardonne, mais voilà, quoi. C'est juste... J'adore tellement. On va monter les escaliers. On va voir ce qu'il y a là-bas. Là, c'est sûrement une boutique. Coucou, toi, Zora. Eh bien, de quoi s'agit-il? Que... Un Ilien? Mais tu es Link. Tu as l'imprudence de reparaître ici, après tout ce que tu as fait à son Altesse Mipha. Attends. Comment? Au nom de son Altesse Mipha, moi, Mordagne, vais te châtier comme tu le mérites. Malheureusement, ça devra attendre. Le Sénat du domaine Zora, d'autres poissons-chats fouettés depuis que le Kuruta s'est réveillé. Varuta? Tu... Si t'étais bien là il y a 100 ans, tu devrais te souvenir de la créature divine Ruta, non? Varuta, son Altesse Mipha, prodige des Zora, devait s'en servir dans son combat contre le fléau Ganon. Mais à présent, sa pluie diluvienne menace de submerger tout le domaine Zora. Pourquoi cette colère? C'est pour ça qu'il pleuvait! Je me disais aussi, c'était bizarre qu'il y ait que de la pluie, là, tout le temps. Personnellement, je pense qu'il s'agit des larmes de son Altesse vaincue avant d'avoir pu accomplir sa mission. C'est triste. Enfin, bref. Continuons. La rivière. Très bien. On parle un petit peu à tout le monde. La 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 la, du haut du ciel, une lumière. T'es qui? Un Ilien. Un Ilien, ouah, cool! Mais pas aussi cool que le prince. C'est ça, c'est pas aussi cool que le prince, pédé là. Non, je déconne. Bon. Salut, salut, moi c'est naturel, tu veux discuter? Non, je. Non, bah les couilles. Ça, c'est quoi? Ah, ouais. L'épreuve est là, dans la rivière. Narutel, que chantes-tu? Hein? Toi aussi t'aimes les chansons? C'est l'hymne de la fête du prodige. Tu veux que je la chante pour toi? Oui, je veux bien. D'accord. Voici l'hymne de la fête du prodige, c'est parti. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. L'épreuve est là dans la rivière. Tu veux autre chose? J'en ai assez entendu. Merci beaucoup. Là-bas, je suppose que c'est le trône, hein? On est d'accord? Ça ressemble vraiment à une salle du trône. Quoi? Tu veux quoi, toi? Qui? Mais arrête! Tu fais quoi? Ah! Il fait votre Altesse, regardez-moi. Moi et Trop, celui qu'on appelait jadis le sergent démon. Je vais aussi revoir Ruta une fois pour toutes. Que fais-tu? Mais tu es Link! Tu m'as payé pour ce que tu as fait à son Altesse Mipha! Mais qu'est-ce que je lui ai fait à votre Altesse? Je la trouve sympa, moi! Après 100 ans, nous nous retrouvons enfin! Moi et Trop, je vais te pourfendre de mes propres mains! Mais de quoi tu parles? Ne fais pas l'ignorant, prodige! Tu as été incapable de protéger son Altesse Mipha face au fléau Ganon! Pardon, non mais je pouvais pas faire autrement, mec! Depuis 100 longues années se sont écoulées. Ah, pauvre princesse, quelle tragédie. Cette fois-ci, je vais... Tu ne crois tout de même pas que nous allons te demander de l'aide? Moi et Trop, le sergent démon du domaine, même si je dois y laisser mes écailles. Je percerai Ruta de mes flèches électriques pour que son Altesse Mipha puisse reposer en paix.
Tu as compris, hors de ma vue, que tes nageoires sèchent et tombent. J'ai jamais eu de nageoire. Tu ne manques pas de culot après ce que tu as fait à son Altesse Mipha. De toute façon, il est trop tard. Il a été décidé au conseil du Sénat que ce sera moi, Etrop, qui irai chaussir Ruta. Reste en dehors de cela. Putain, mais ils ont tous une dent contre moi, c'est abusé, mais je lui ai rien fait à ta princesse. C'est bon, je ne pouvais pas faire autrement, je suis mort moi aussi, je suis décédé. J'ai juste eu un petit peu plus de chance, mais bon. Bon là, on sort un petit peu du domaine, on visitera un petit peu les remparts plus tard. On a fait pas mal d'endroits, mais pour l'instant, là, vous voyez qu'on est déjà loin dans l'aventure. Vous voyez que le point où on doit aller est juste par là. Par ici, donc juste au-dessus de nous. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Eh bien, c'est que maintenant, vous allez découvrir la surprise que je vous ai réservée. Et oui, donc, j'ai avec moi 3 amiibo qui m'ont été passés. On va donc les tester. Il y a un amiibo Kirby, un amiibo Ganondorf et un autre qui sera la surprise. Alors le Kirby, je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais je voudrais tester. Pardon pour le son du micro, je m'éloigne un tout petit peu pour les prendre parce qu'ils sont juste en dessous de moi. Donc, amiibo Kirby, voyons voir si ça me donne de la bouffe. Je suis triste parce que j'en ai déjà trop. Ça c'est fait, voilà. Ça me donne effectivement de la bouffe. Amiibo Kirby, le Kirby de Smash Bros, hein, très clairement, me donne de la bouffe. Ben, c'est très bien. Herbe, venaison. Champi Glagla, un nouveau champignon. Tiens, ce champignon froid au toucher pousse au pied des conifères de montagne enneigées. Les préparations qui en contiennent aident à supporter la chaleur du désert. Ça pourrait être utile, mais pas maintenant, je pense. Herbe Volt, cette plante médicinale du désert Gerudo contient des fibres aux propriétés isolantes qui permettent de supporter l'électricité une fois cuisinée. Ah ben, très bien, écoute. Bon, amiibo Kirby, c'est fait. Amiibo Ganondorf, je sais pas trop ce que ça va faire. J'ai peur. Oh, les gars. Déjà, je vais commencer par casser tout ça. Mais de deux, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Putain, si c'est un vêtement, je suis trop content. Si c'est un vêtement... classe surtout. Voilà, déjà on a plein de rubis. Et là, là-dedans on a quoi? Rubis brut. Ah non, c'est pas un vêtement, tant pis. Ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. C'est un rubis brut. Ça doit valoir assez cher. On va se faire masse de rubis les gars. Mais le dernier pour la fin. Je vous laisse deviner lequel c'est. Attention, je vous laisse 3 secondes. 3 2, 1, et c'est en réalité un autre amiibo bien sûr, mais l'amiibo de Link dans Ocarina of Time. Et j'espère que ça va faire ce que je veux, parce que comme ça on pourra finir en beauté sur les amiibo. Je le place. De la viande, un coffre. On prend toute la viande, on ouvre le coffre. Chaussures du temps. On dit que ces chaussures qui auraient appartenu au héros qui a voyagé dans le temps ont été confectionnées par le peuple de la forêt. Oui, on commence la panoplie de Ocarina of Time, les amis. Je pensais qu'on allait avoir toute la panoplie, mais déjà, premièrement, ici, ce sont bel et bien les chaussures, pour l'instant, de Link dans Ocarina of Time. Si je mets ça, voilà, ça ressemble un petit peu plus à Link. Mais en réalité, voilà, je sais pas si ça va le faire. Je pensais qu'on allait avoir toute la tenue d'un coup, mais... apparemment non, je ne peux pas le réutiliser normalement si je regarde bien. Il est où? Où est-il? Ah là, ok, très bien. Ouais non, je ne peux pas le réutiliser, on le réutilisera plus tard dans un autre épisode. Peut-être qu'on aura toute la panoplie, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était la petite surprise. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter. Surtout commenter dans les commentaires, ça sert à ça. Parce que sinon, je ne peux pas avoir vos retours. Hein. Tous ceux qui regardent la vidéo, si vous laissez un petit message, ce serait franchement sympathique. Répondez au sondage que j'ai laissé aussi. Ça aussi, c'est sympathique parce que je vous rappelle que les commentaires, je ne pourrai pas les voir avant longtemps. Et dans le prochain épisode, les amis, on ira voir dans cette pièce. Il y a sûrement une cinématique qui nous attend. C'est pour ça que je suis resté devant. Là, ici, d'ailleurs, il y a une statue que je n'avais pas vue. Où on pourra... J'ai combien...
4, parfait. Eh bien écoutez, la prochaine fois les amis, nous irons, je lirai le sondage que j'avais fait, si vous m'aviez, je me souviens, j'avais fait un sondage sur qu'est-ce que je prendrais la prochaine fois, et on prendra ça, puis ensuite on ira derrière, il y a sûrement quelque chose de sympathique qui nous attend, et c'est ainsi, je vais vous laisser comme ceci devant le domaine Zora. Les amis, je suis tellement content. Je suis tellement dans la hype sur ce domaine Zora. Oh putain, mais c'est trop beau. C'est juste beau. J'adore. Je kiffe. Zelda est de retour, les mecs. Link est là. Il va sauver la princesse. Tel un héros. Ouh. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que merci d'avoir regardé. C'était Marcus du Club Poulpe. Il pleut, mais c'est pas grave. On se retrouve dans un prochain épisode. Check de Poulpe.